Bonjour les filles, alors je reviens aujourd'hui pour un tag qui est le tag 100% girly et j'ai été taguée par Fanel Mua que je connais depuis peu et franchement je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment pétillante, j'aime beaucoup son humour et ses façons de faire ses vidéos donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et franchement allez voir sa chaîne. Elle est vraiment très sympa et elle fait plein de revues. Voilà. Donc, on attaque le tag qui est constitué de 17 questions. Quelle est ta crème de jour favorite? Ça va être le Sebium Matte de Bioderma. Donc là, je peux pas vous montrer le tube parce que j'étais à la fin du tube. Donc, je l'ai découpé et je l'ai mis dans un petit pot. Donc, c'est le Sebium Matte qui, pour moi, j'en avais fait une revue d'ailleurs, est vraiment super efficace. Partout sur la zone T, ça matifie pour la journée, c'est très très bien. Voilà. Ensuite, deuxième question. Penses-tu que les grandes marques Estée Lauder, Clarins offrent des produits de meilleure qualité? Eh bien, clairement, avec ces deux exemples-là, Estée Lauder, Clarins, moi, c'est pour moi des marques top, quoi. Donc, je répondrai en tout cas pour ces deux marques-là, clairement, c'est sûr. Pour moi, impeccable. Rien à dire. As-tu un nettoyant visage fétiche? Bah là, du Clarins. Donc toujours dans le petit trio des maquillages. Donc j'arrive au bout d'ailleurs de ce petit kit. Donc c'est le doux nettoyant moussant qui est vraiment génial. Voilà. Donc là, il va falloir que j'investisse. C'est clair. 4. Quelle senteur de gel douche préfères-tu? Et montre-nous ton gel douche du moment. Donc en fait, les senteurs de savon, de gel douche, ça dépend un peu. Autant j'aime bien les senteurs fruitées, mais bon, pas trop sucrées non plus. Ou les trucs super peps, agrumes, etc. Pour les matins un peu difficiles. Je suis pas trop fidèle non plus en senteur. Ça varie. Et en ce moment, donc ça j'avais déjà dit dans une autre vidéo, donc c'est le Rockstar de... En savon, le Rockstar de Lush qui sent la vanille et la barbapapa. Et un savon au lait d'anise au patchouli. Voilà, qui est comme ça. Voilà. Donc en ce moment, c'est barbapapa et patchouli. En ce moment, je suis assez patchouli quand même. 5. T'hydrates-tu quotidiennement le corps? Oui, parce que j'ai tendance à avoir la peau un peu sèche. Donc, ça dépend aussi du savon que j'utilise. Mais en règle générale, les jambes, c'est sûr. Les bras, peut-être un peu moins, mais en tout cas, voilà. Et combien de douches prends-tu par jour? En général, une douche le matin. Et puis, ça peut aussi m'arriver d'en prendre plusieurs. Mais en général, une douche. Quel est le déodorant le plus efficace que tu aies essayé? Alors moi, ça fait plusieurs fois de suite que je rachète le même déodorant, qui est le Sanex Dermo Protector sans alcool, en stick, qui a une odeur assez discrète et qui est toujours très efficace. Voilà. Ensuite, selon toi, quel parfum te ressemble le plus? Et ben moi, j'ai craqué pour un parfum récemment, que mon chéri m'a offert, c'est et qui je trouve me ressemble, c'est ça, c'est le Chalimar Initial, donc qui est un petit peu moins costaud que le Chalimar, mais qui est quand même assez présent et en même temps pas trop non plus lourd. Moi, je le trouve très élégant. Voilà, je trouve qu'il me correspond bien. Et puis ensuite, 8, es-tu plutôt French manucure ou vernis à ongles? Tu changes au gré de ton humeur. J'ai eu une grande période où j'étais French manucure permanente, puisque j'ai des ongles en gel. Et depuis plusieurs mois, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de couleur, j'ai plus envie de la French. Et donc les vernis, bah, c'est tous les 2-3 jours, ça change. Donc là en ce moment, c'est un vernis bleu jean. Oui, parce que la tendance cette année, c'est le bleu jean avec les vernis Chanel. Alors, ce n'est pas un vernis Chanel, c'est un petit vernis Sephora. Voilà, donc je change souvent. Voilà.
Ensuite, on passe à la partie make-up où là, il y a 4 questions. Alors, si tu as des produits MAC, présente-nous tes plus grands coups de cœur. J'en ai pas énormément, mais je vais vous parler de 1, 2, 3, 4 produits MAC, vraiment qui ont été des coups de cœur pour moi. Donc, il y a tout d'abord mon fond de teint MAC que j'ai acheté début juillet, donc je peux pas mettre en ce moment puisqu'il ne correspond pas à la couleur de ma peau, comme j'ai pris un petit peu de couleur cet été. Donc c'est le Studio Fix Plus en SPF 15 dans la teinte NW20, qui moi me correspond parfaitement. C'est exactement ce qu'il faut, il n'est pas gras, donc on ne ressemble pas à une boule à facettes au bout de 5 minutes. Vraiment, je l'adore. Ça a vraiment été une super découverte. J'ai aussi mon coup de cœur, donc c'est un vernis MAC, j'en ai qu'un, donc un vernis MAC qui est le crème de nude. Sur peau pâle, comme je suis d'habitude, je trouve que celui-ci est très très joli. Et ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui. Et un autre coup de cœur, alors là c'était mon premier coup de cœur, mes deux premiers coups de cœur de MAC, ma première commande de MAC que j'avais passée, c'était les fards Mineralized dans la collection Venomous Villain. Et j'avais pris le fameux Chiouder, tout le monde se l'arrachait, qui est comme ça, un Mineralized avec une partie verte et une partie bleue que j'adore. Et du coup, ce tag me les a fait ressortir et ça faisait bien longtemps que je m'en étais pas servi. Peut-être plus pour l'hiver, parce qu'ils sont quand même assez foncés, assez sombres, assez dark. Et il y avait l'autre, bah, My Dark Magic d'ailleurs, qui est aussi magnifique, qui est comme ça, avec une partie violette et une partie rose pourpre, qui sont des tueries de chez tueries. Alors, en 10e question, fond de teint, blush, rouge à lèvres que tu préfères? Donc en fond de teint, eh ben, il va y avoir mon fond de teint mon fond de teint MAC, j'ai eu peur là, mon fond de teint MAC, mon précieux, voilà. En blush, alors il y a des blushs que j'aime beaucoup chez ELF, qui sont le Candide Coral, qui est comme ça. Un joli pêche avec des petites paillettes dorées. Et également un autre de mes préférés, c'est le Peachy King, qui est plus beige. Et il y a également un autre blush que j'aime bien. C'est un blush de Benefit, qui est le Coralista, qui est ce blush rosé, qui a une odeur à croquer. Voilà. Et en rouge à lèvres, eh ben, mon rouge à lèvres préféré en ce moment, c'est le crème de nude de MAC, mais ça varie. Ensuite, 11e question, sur tes yeux, préfères-tu les couleurs neutres ou bien colorées? C'est donc du coloré. J'adore jouer avec les couleurs, je trouve que c'est... On peut vraiment faire des trucs super sympas, donc je suis pas adepte du neutre. Ouais, je suis pas adepte du neutre. Des jours où je suis pas super en forme, je peux faire un maquillage plus discret, mais neutre... C'est rare, très très rare. Donc plutôt couleur. Quels sont les produits cosmétiques qui te font de l'œil en ce moment ? Alors en ce moment, j'attends, je ne sais toujours pas si mon ami qui est parti aux États-Unis a pu le trouver, le Smoky de Ruby, Fard Mineralize de chez MAC. Je ne sais pas si elle a réussi à le trouver. Et il y a également la Book of Shadow 4 d'Urban Decay. Oui, je sais, les couleurs, je dois déjà les avoir, mais quand on commence à mettre le doigt dans les Book of Shadow d'Urban Decay, dur de résister après, donc voilà. Et ensuite, il y a des questions d'ordre général. 13e question, es-tu plutôt talon aiguille ou ballerine? Talon aiguille non, mais talon haut oui. Talon aiguille très fin, tout pointu, non pas trop. Plutôt talon haut. 4, quel est le plus beau sac à main que tu possèdes? Au passage, as-tu déjà fait un What's in my bag en vidéo? Je n'ai jamais fait de What's in my bag en vidéo. Parce que, parce qu'on me l'a jamais demandé, voilà. Et
plus beau sac. Je dirais pas que c'est mon plus beau sac, mais c'est mon sac en ce moment. Voilà. Il est comme ça. Ça fait un peu... voilà. Comme un cartable. Voilà. Donc il a une petite anse comme ça. Et également, ce qui est indispensable pour moi, c'est une bandoulière. Donc voilà. Donc il manque un peu de poche, c'est-à-dire qu'il y a seulement une grande poche et puis une petite poche à l'intérieur. Donc moi, j'ai pas mal de choses dans mon sac. Donc voilà, mon sac du moment que j'ai payé 13 € en solde à la Halle aux vêtements. Comme quoi, des fois, on peut trouver des trucs pas chers et plutôt sympas. Et ensuite, le bijou que tu préfères ou que tu ne quittes jamais? Non, j'ai pas de bijou préféré. Moi, j'adore les petits bijoux de pacotille. Voilà. Aujourd'hui, c'était dans les bleus, donc j'avais 7 bagues que j'ai achetées je sais plus où. Ça, voilà, un petit... Ah, ça, j'ai dû l'acheter chez Kiabi, avec ça aussi, le petit collier, voilà, qui va avec. De petites boucles d'oreilles, de rien du tout de chez Claire's. Donc moi j'aime bien avoir... j'ai horreur des bracelets, mais j'aime bien avoir des petits accessoires rigolos, sympas, pas chers, pour pouvoir changer souvent justement. Voilà, donc si jamais je les perds ou ils se cassent, bah, c'est pas non plus une grosse perte, puisque... Voilà. Ensuite, ton copain t'offre-t-il des produits cosmétiques? Oui, ça peut lui arriver de m'en offrir à condition que je lui ai donné les références exactes, voire même l'endroit où ça se trouve dans le magasin. Donc, en général, j'ai un peu de mal avec les cadeaux surprises. J'aime pas trop ça. Les surprises, c'est pas trop mon truc. Donc oui, il m'en offre si je lui donne exactement la référence, une photo, où c'est, etc. Et ça me fait toujours très plaisir quand il a réussi à trouver. Et enfin, si tu en as, montre-nous le produit de beauté, de soin qui a changé ton quotidien. Donc il y en a deux, j'avais commencé par celui-là. Donc un produit de soin, ça va être le Sébium Mat de Bioderma, ainsi que la base à paupières. Donc j'avais fait une revue sur les bases à paupières, donc avec une évolution de prix, de formule. Et donc moi la base à paupières, ça m'a vraiment changé le maquillage. Bah par exemple, ce maquillage là que j'ai aujourd'hui, il a pas bougé d'un poil. J'avais mis la Shadow Insurance ce matin et c'est toujours nickel. Et puis aussi, ce qui a changé mon quotidien maquillage, ce sont les pinceaux. Et surtout les bons pinceaux. Voilà. Eh bien écoutez, je vous mets juste après une liste des personnes que je vais taguer. Je vous embrasse, je te remercie encore Fanel de m'avoir taguée, et puis je vous dis à bientôt. Salut les filles !